TST, une confidence qui en a dérouté plus d'un sur le plateau de Touche pas à mon poste jeudi soir. Benjamin Castaldi a révélé à ses camarades avoir déjà été très, voire trop, proche d'un membre de sa famille. On le sait, rien n'est jamais gardé secret sur le plateau de Touche pas à mon poste. Même lorsqu'ils pensent être tranquilles durant les coupures pub, les chroniqueurs sont scrutés de près. En début d'émission, l'indique de la rédac, Sacha Elbaz, se charge justement de révéler ce qu'ils font lorsqu'ils oublient d'être filmés. Et jeudi 1er juin, CST Benjamin Castaldi qui a été épinglé. En effet, alors qu'il discutait de cousinade avec Valérie Benaïm et Sophie Coste, il a fait une confidence pour le moins inattendue et quelque peu choquante. Moi je liken ma cousine, a-t-il lâché sans gêne. On s'est tripoté, a-t-il continué, avant d'ajouter, elle m'a touché la bistouquette. Mais c'est quoi ces familles? S'est alors exclamé Valérie Benaïm, hallucinée par ce qu'elle venait d'entendre. Dans ce magnéto, Benjamin Castaldi n'est pas le seul à avoir confié s'être rapproché d'un membre de sa famille. Sophie Coste, elle aussi, a admis avoir ken son cousin. Pas Germain, s'est elle néanmoins rattrapée. Après avoir visionné ces images, la chroniqueuse scène est expliquée, si est-ce pas mon cousin Germain mais quand on est gosse, on dort dans la même chambre, les parents nous mettent dans la même chambre, ben ça arrive. Et je n'ai pas dit que je l'avais pécho, mais on s'est tripoté. Mais quoi est-ce ce que si est-ce que cette famille, s'est alors offusqué Gilles Verdet. Ils sont malades. Chacun s'est tout de même bien calmé depuis ses étranges premiers amours. Benjamin Castaldi est de son côté fou amoureux de sa femme Aurore Allemand, avec qui il a accueilli le petit Gabriel en 2020. Auparavant, il a eu trois autres garçons, nés de trois femmes différentes, Julien, 27 ans, et Simon, 21 ans, issus de son union avec Valérie Sapienza-Enzo, 18 ans, de ses amours avec l'animatrice Flavie Flamand. De son côté, Sophie Coste est également la maman de trois garçons mais on ne sait en revanche rien de sa vie sentimentale, si ce n'est qu'elle a eu une aventure avec Denis Brognard.